fraise. Et ensuite, on va passer la crème en fraise. Donc, ça se fait voilà, en quelques minutes, c'est vraiment très très facile. Et voilà, en quelques minutes, on est déjà à Londres. J'ai même pas eu le temps de compter jusqu'à 10. On est déjà arrivé. Il ne reste plus qu'à faire le trajet entre la gare d'arrivée du shuttle et tout simplement Londres. Voilà, c'est tout. Vous entendez ? Nous dit de retourner à notre site. Moi, je suis déjà à mon site, donc tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, il a déjà enlevé la tête du shuttle. Et nous, on s'apprête à sortir du shuttle. Oh, il neige. Donc c'est la gare routière en fait en gros de Londres et donc là je cherche l'hôtel qui est pas très loin, je l'ai pris à côté de Victoria Station pour que ce soit beaucoup plus facile et en plus je suis arrivée avec le soleil sachant que tout à l'heure il neigeait donc voilà, j'espère que ça va être pareil pour tout le séjour. Bon, on se retrouve tout de suite. Voilà, c'est le dernier jour, je viens de prendre donc le petit déjeuner, je suis sur le départ, voilà, je suis en train de faire mon packing et franchement on a passé une très très bonne nuit, c'était vraiment très très sympa cette petite chambre et pour le coup bah, j'ai mon bus en fait, mon Weebus à 14h au Victoria Coast Station, donc je prendrai là-bas et voilà tout simplement, il fait super beau, j'ai été ravie de ce séjour à Londres. Pour une dernière petite bière à Londres au soleil en terrasse, ça fait tellement du bien. Voilà, je profite des quelques instants qui me restent au soleil. Allez, c'est l'heure de partir. Allez, direction Victoria Station et Weebus. C'est parti pour prendre le Weebus direction Paris. Et voilà, petite pause de 20 minutes à la frontière. Bon alors là, petit contre-temps, c'est que en fait, il n'y a pas de toilette dans le bus. Donc en fait, pendant 9h, bah, ça va être compliqué. Et donc là, on est obligé de faire pipi simplement à la frontière. Et après, c'est mort quoi. Donc franchement, ça c'est pas terrible. Je vais reprendre le bus. C'est parti, direction Paris. Il y a deux contrôles en fait. Un premier britannique et après un autre français. Et après, direction Lille. Là on fera un autre stop et puis après direction Paris, normalement arrivé vers minuit, on verra si le trajet a la bonne durée et si on respecte les horaires. Comme il n'y a pas de toilette à bord, on a dû descendre à Lille et payer 70 centimes en fait pour les toilettes, donc voilà, faire 9 heures de voyage sans aller aux toilettes c'est un peu quand même aberrant. Donc voilà, le fait qu'il n'y ait pas de toilette à bord c'est quand même embêtant, donc c'est un peu le problème du retour en tout cas. À part ce désagrément des toilettes cassées au retour, nous sommes arrivés avec une demi-heure d'avance sur l'horaire initial. Donc voilà, je vous recommande vraiment Weebus, c'est vraiment génial. En tout, j'ai payé 38 euros le trajet aller-retour, donc c'est largement économique. Et voilà, si vous avez du temps, c'est vraiment le voyage parfait. Le trajet
en bus, enfin arrivé à la gare de Bercy. Wouhou!